j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour un vlog. Je vous ai embarqué avec moi en retraite créative. Donc je suis partie avec 4 copines. Donc au départ on était 4, puis une cinquième nous a rejoint en cours de route. J'avais oublié de commencer à tourner au départ, donc je fais ça maintenant. Donc on est parties toutes les 5 avec comme objectif de booster notre créativité. Donc écrire, dessiner, faire des vidéos, faire voilà, tout ce qu'on avait envie de faire. Voilà, un espace créatif dédié à ça, avec des objectifs qu'on s'est fixés. Donc voilà, je vous embarque avec moi dans cette semaine, en compagnie de Bleuen, Manon, Alison et Bénédicte, qui nous a rejoint un petit peu plus tard. Et je vous laisse avec les objectifs qu'on avait définis en début de semaine, et à la fin, je vous dirai qu'est-ce qu'on a accompli à nous cinq. Donc mes objectifs pour la semaine, c'est de terminer le premier jet de mon roman, donc d'écrire un chapitre par jour. Ensuite, pour la lecture, ce sera de terminer deux romans, donc de lire à peu près 700 pages sur la semaine. Et enfin, côté musique, d'écrire les paroles du thème du Tribut des Dieux. Mes objectifs pour la semaine sont de finir la correction de Heureux les Maudits, un roman en cours. J'aimerais bien lire 3 romans. Et oui, il faut que j'avance la bêta lecture de Béné, ici présente. Voilà, ça ce serait dans l'idéal. Alors mes objectifs pour cette semaine de retraite d'écriture, écrire 5000 mots par jour, avancer la correction de mon synopsis « Le futur ne sera pas », tourner au moins 5 réels, et finir de lire 4 romans en cours. C'est bon. Tourner la vidéo pour Gibert et tourner l'interview avec toi. Et enfin, écrire les paroles de la chanson du thème du Tribut des Dieux. Alors moi, mes objectifs pour les quelques jours à venir, c'est d'avancer sur mes cours, puisque je donne des cours, de décrire un petit peu et d'écrire, allez, si j'arrive à écrire 10 000 mots, c'est cool. En 2 jours ? Non, aujourd'hui. Ok. Ouais, ou en 2 jours, enfin ça dépend, je t'avoue que voilà. Et de finir le roman que j'ai en cours. Donc j'ai lu la moitié pour l'instant. Alors du coup mes objectifs en termes d'écriture, c'est d'écrire 5000 mots par jour, avancer mes corrections de Witches Burn. Pour la lecture, je voudrais finir 3 livres. Je voudrais dessiner ou peindre au moins 15 minutes par jour. Je me rappelle plus mes objectifs. Ah oui, et je voudrais écrire 5 articles pour mon blog dans la semaine et filmer et monter une vidéo.
fais comme ça. Et comme ça.
Qu'as-tu fait de ta semaine ? Eh bien, j'ai terminé mon premier jet, donc j'ai écrit un chapitre par jour, sur 6 jours, 6 chapitres, et ce qui m'a amené à la fin de mon histoire. Et je suis trop contente, c'est la première fois que je termine un premier jet. Donc, j'ai hâte de passer à la suite. Et au niveau de la lecture, j'ai réussi à lire 560 pages, donc j'ai terminé un livre de 300 pages, et je suis à la moitié du second. Donc, je n'ai pas atteint mon objectif, mais j'ai quand même lu plus que mon rythme habituel. Voilà. Un mot de la fin ? Ben, c'était une semaine trop cool, j'ai été trop contente de partager ça avec les super filles du Topinambour Writing Book Reading Club. On a trop ri et j'espère refaire ça bientôt. Je t'écoute. Alors du coup, comment s'est passée ta semaine ? Enfin, tes 2 jours. Ma semaine a été courte puisque je ne suis arrivée que vendredi pour repartir, vendredi soir pour repartir dimanche dans l'après-midi. Donc c'est pour ça que les objectifs n'étaient pas très très hauts, voilà. Mais ça s'est super bien passé, c'était trop cool. Du coup, au niveau de mes objectifs, j'ai terminé le bouquin que j'avais en cours. Donc c'est fait. J'ai pu avancer mes cours, voilà. Peut-être pas autant que je l'aurais voulu, mais parce que j'ai réussi à écrire 6000 mots. Et ça, c'est trop bien. Voilà. Un petit mot de la fin ? Fin. C'est bien comme mot de la fin. C'est pas mal. Non, c'était trop cool. Merci. Alors Alison, dis-nous comment s'est passée ta semaine ? Plus ou moins bien. Je devais écrire 3000 mots par jour. Il y a des jours où j'ai fait plus, il y a des jours où j'ai fait beaucoup moins et des jours où j'ai pas fait du tout. Donc je pense que j'ai fait la moitié environ de ce que j'avais prévu. Mais quand même, c'était pas mal. Après, je devais lire 3 livres et j'en ai lu 2. J'ai lu Cemetery Boys et La Fileuse d'Argent et j'ai aimé les deux, donc quand même très bien. Et je devais avancer une BL. Je devais faire 3 chapitres par jour, mais j'en ai fait que 8. Donc, pas beaucoup avancé. Donc, c'est pas trop. C'est bof. Mais dans l'ensemble. Mais dans l'ensemble, ça va. Et le mot de la fin sur ta semaine ? Top au topinambour. Alors, moi je devais écrire 5000 mots par jour, j'y suis pas exactement arrivée, j'ai écrit 20000 mots en une semaine au lieu de 35000, c'est déjà pas mal. J'ai retravaillé 13 chapitres sur 35 sur mon synopsis détaillé Le futur ne sera pas, donc c'est pareil, c'est pas mal. Et surtout, j'ai pas mal bossé la com de mes réseaux sociaux et j'ai tourné beaucoup de réels, donc ça je suis très contente, j'ai plein de trucs à poster et à vous montrer. Je voulais finir 4 romans en cours, je n'en ai fini que 2. J'ai fini le tome 1 de Blackwater et j'ai fini le tome 2 de Scorpion Rose. Donc c'est pas trop mal. Et puis voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Ça faisait déjà une semaine bien remplie. Vive les topinambours ! Alors mes objectifs de la semaine, je devais écrire 5000 mots par jour, donc je devrais être à 35000. À la place je suis à 18000 et quelques, donc je suis très très loin de l'objectif, mais il y a quand même 2 jours où j'ai atteint les 5000 mots dans la journée. Et puis surtout, c'est à dire que je suis lancée sur mon nouveau manuscrit, donc c'est déjà pas mal. Je devais aussi, alors avancer mes corrections, j'y ai pas touché. Voilà, je pense que je me suis rappelé que je devais les faire en milieu de semaine, donc voilà. Je devais dessiner un peu tous les jours, je l'ai fait, je me suis même initiée à Procreate grâce à Alison. Donc voilà, j'ai dessiné, j'ai fait un peu d'aquarelle. Qu'est-ce que je devais faire d'autre ? Écrire 5 articles dans la semaine, j'en ai écrit 8, que plutôt contente. Tourner une vidéo et c'est fait. Et je crois que c'est tout. Non, je devais lire 3 livres. J'en ai fini 2. Voilà, et j'ai commencé le 3e, mais il sera pas fini. Donc voilà, on a beaucoup topinambouré cette semaine. Je suis de retour de cette superbe retraite créative, donc ça a été 7 jours en super bonne compagnie. Franchement j'ai adoré, j'ai passé de super bons moments. On a beaucoup écrit au final, alors on a certes pas atteint les objectifs
qu'on s'était fixé pour la plupart, mais voilà, on avait visé des objectifs assez hauts, mais quoi qu'il en soit, on s'est poussé les unes les autres, on a avancé, on s'est motivé, on a beaucoup partagé, papoté, dessiné, vraiment on a passé des très très bons moments, et moi dans ce genre de cas je suis tellement heureuse d'avoir des amis qui soient autrices et avec qui je puisse partager ça, parce que bah, ça rend l'écriture beaucoup moins solitaire, et donc voilà, c'était une superbe semaine, sous le signe des topinambours, juste parce que le mot nous a plu, je sais pas, voilà. Voilà, on s'est accroché à ce mot dès le début des vacances et c'est resté tout le long. Au point que quand je me suis initiée à Procreate grâce sur la tablette d'Alison, j'ai dessiné des topinambours parce que pourquoi pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit délire sur les topinambours. Il n'y a pas vraiment de sens profond à ça, c'est juste qu'on est parti sur le mot topinambour et sa sonorité. Et enfin voilà, ça a été une super semaine, pleine de bons délires, de rires, d'écriture, et j'ai hâte de pouvoir continuer ces projets d'écriture. N'hésitez pas à aller suivre les filles sur leurs différents réseaux sociaux et suivre leurs différents projets, je vous mets tout ça en barre d'infos. Et sur ce, c'est la fin de ce vlog sur notre retraite créative. N'hésitez pas à poser toutes vos questions que vous pourriez avoir sur, sur nos différents projets, sur les filles, tout ce que vous voulez, posez-moi en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, beaucoup de créativité et je vous dis à très bientôt.